Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite, une vidéo de Smite que je dois refaire puisque hier je l'ai enregistrée, 31 minutes, je sais pas combien de temps durera celle-là, mais voilà, j'ai fait une vidéo 31 minutes hier en me rendant compte que j'avais oublié d'activer le micro. J'ai eu un peu la flemme de relancer, alors je l'ai fait aujourd'hui. Wally Walou, c'était pour ça, c'était soit cette vidéo sur les ADC, soit la vidéo cast. Je vous ai sorti la vidéo de cast de Smite Pro League. Ici, on est sur le patch PTS, on est sur le test du nouveau Hachiman. Et en fait, j'ai digressé hier en parlant des builds ADC, donc je pense qu'on va repartir là-dessus. Hachiman est un personnage étonnant, mais c'est un type d'ADC. Hachiman est du type ADC, ce qu'on pourrait appeler les ADC à stéroïdes de vitesse d'attaque, puisque je distingue trois types d'ADC. Ici, on n'en verra que deux. Les types d'ADC à vitesse d'attaque ou les types d'ADC sans vitesse d'attaque, il existe, mais qui se jouent quand même aux auto-attaques. Par exemple, un Nanur, on ne joue pas compétence. Et puis, vous avez le troisième type d'ADC, vous voyez un petit peu où je veux en venir, c'est les ADC à compétence, qui vont être du style Ulr, Nice, Marty Coras, hein, qu'on voit beaucoup en Smite Pro League, vous le savez, avec des builds avec Crève-Cœur, avec du stacking, Transcendance, Dévoreur d'âme, Lamentation de Dido, ou pas forcément toujours obligatoire, voilà, et on va essayer d'utiliser les compétences de l'ADC pour faire énormément de dégâts. Marty Coras et son combo de ulti. Hachiman, c'est un personnage à auto-attaque, déjà tout simplement parce que son 1 c'est une extension d'auto-attaque qui permet d'aller plus loin, un peu comme le 1-3 de Ishtar. Le truc c'est que, donc voilà, on va bien voir la catégorie, on voit deux catégories aujourd'hui, la catégorie des ADC à vitesse d'attaque et la catégorie sans vitesse d'attaque, donc typical, Anur n'a pas de vitesse d'attaque, et il y en a d'autres bien sûr qui sont pas basés sur les compétences mais qui n'ont pas de gros stéroïdes de vitesse d'attaque. Allez, on est parti. Le petit changement d'abord, on évoque le petit changement d'Hachiman. Hachiman a été up sur 3 de ses sorts, donc sur son passif, on le verra plus tard, sur son 1 et sur son 2. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur son 1, ils lui ont augmenté son ratio, qui est maintenant un ratio de 120 des dégâts d'attaque de base, donc plutôt pas mal, et 60 de dégâts bonus. Donc on est sur une auto-attaque qui fait bien mal en late game, sur 4 flèches, avec un CD d'environ 10 secondes, donc 4 flèches toutes les 10 secondes, sachant qu'en fin de partie, on tirera 4 flèches en moins de 2 secondes, puisqu'on tirera 2,5 auto-attaques par seconde, quasiment, vous verrez, avec la plupart des builds. La banderole céleste, c'est le sort de dépush d'Apouache qui est extrêmement fort puisqu'en gros, il vous permet de toucher les 6 sbires. C'est une particularité de ce sort, c'est qu'il donne 2 stéroïdes de vitesse d'attaque, hein, tout simplement. Là, vous voyez, on lance la banderole et on touche les 6 sbires. Et quand on sautille dans la banderole, on a 2 fois le stéroïde de vitesse d'attaque. Donc, c'est un stéroïde de vitesse d'attaque de 20% qui dure 6 secondes. Ensuite, nous avons une dernière chose comme stéroïde de vitesse d'attaque. C'est tout pour les ups de Hachiman. Ils n'ont pas modifié son 3, ils n'ont pas modifié son ulti. Par contre, ils ont changé son passif. À la base, le passif d'Hachiman, tout le monde en a rien à foutre puisque c'est un stéroïde de vitesse d'attaque qui fait qu'on va gagner du PM5 quand on touche chaque galvanise Hachiman. Chaque attaque de base qu'il réussit lui donne une charge de vitesse d'attaque. Donc notez que ça marche à la fois en PVP, c'est-à-dire contre un dieu, mais ça marche également contre des sbires. À chaque fois que vous allez mettre une auto-attaque, vous allez régénérer de la mana. Mais ils n'ont pas fait que ça. Maintenant, ça donne également de la vitesse d'attaque et une vitesse d'attaque qui est loin d'être dégueulasse puisque je crois que ça fait 20% en late game. Donc quand on fait, regardez, je passe à 1.34, là vous voyez en dessous de moi, 1.38, 1.42, 1.46, et voilà, je suis à 1.46 de vitesse d'attaque, rien qu'avec mon passif. Ensuite j'utilise ma banderole, je suis en dehors, je suis à 1.66, et si je me trouve à l'intérieur de ma banderole, et ben j'aurai encore plus de vitesse d'attaque. Donc il n'empêche que ce petit Hachiman devient un personnage très fort, pour sa vitesse d'attaque, car déjà le stack en plus dure assez longtemps. Hein. Vous voyez que les stacks mettent du temps à disparaître, ça prend 8 secondes. Et vous voyez, si je me tiens dans les deux, je suis déjà à 1,86 de vitesse d'attaque au level 20, ce qui est vraiment loin d'être dégueu sans item. Donc on verra que Hachiman, tout comme par exemple, je sais pas moi, Artemis, Rama, Izanami, tous ces dieux là, bah on a un gros stéroïde de vitesse d'attaque qui fait que bah la vitesse d'attaque, on va pas forcer, ça sera pas forcément une priorité quand on va jouer l'itemisation.
Par exemple, ce sont des personnages qui peuvent facilement faire Rage et Condamnateur, puisque regardez, Rage ne donne pas de vitesse d'attaque, malheureusement, et Condamnateur non plus. Donc quand on fait Rage et Condamnateur, on va plutôt le mettre en priorité sur un ADC qui a un stéroïde de vitesse d'attaque, contrairement à un ADC qui n'en a pas. Sinon, on aura du mal à atteindre le 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 qu'on essaye d'atteindre. Parce que auto-attaque avec énormément de crit, toutes les 1.80, eh ben, c'est pas tout à fait rentable. Il vaut mieux essayer d'aller chercher le cap de vitesse d'attaque maximum dans le jeu qui est de 2.5. Alors ça sert plus à grand chose de l'overcap, puisque à une époque, ceux qui ont joué les saisons précédentes le savent, le Sylve Argent permet d'obtenir 2 de puissance tous les 0,02 de vitesse d'attaque au-dessus de 2.5. Donc en gros, à une époque, on faisait le Sylve Argent parce qu'il donnait 20% de chance de coup critique. C'était en saison 9 et en saison 8, parce que ça donnait beaucoup de puissance. Donc overcap, la vitesse d'attaque était intéressant. Ça ne l'est plus trop, et même avec Hachiman qui a maintenant 2 stéroïdes de vitesse d'attaque, vous verrez que c'est pas si terrible que ça. Le stack du Sylve Argent, on le testera même pas, je pense. Pourquoi ? C'est parce que Hi-Rez a nerfé... les items qui donnaient de la vitesse d'attaque. Donc en nerfant les items de vitesse d'attaque, c'est devenu difficile d'overcap le Sylve Argent, et donc on a préféré se passer de cet objet, et surtout c'est le nerf de la pénétration qui a fait qu'on se passe de cet objet. Donc on n'en parlera pas trop dans cette vidéo, puisque c'est pas vraiment méta le Sylve Argent. Après c'est pas non plus dégueulasse, hein, mais c'est pas méta. On va parler maintenant des trois objets de démarrage qui sont les trois objets de démarrage des ADC en général. Les trois objets de démarrage des ADC en général sont donc la capuche de cuir, la flèche dorée ou le prix de la mort. Le plus méta à l'heure actuelle, c'est la capuche en cuir, donc on va d'abord parler du prix de la mort. Le prix de la mort est un objet intéressant pour tous ceux qui... une attaque de base qui touche un ennemi ressort 2 PV plus 0,2 des PV plus 1 de mana. Une attaque de base qui touche en zone, restaure seulement une portion montant normale, 75% au corps à corps, 50% à distance pour chaque ennemi touché après le premier. 50% du premier, ça veut dire que si on touche deux sbires, ça équivaut à un prix de la mort que si on touchait un sbire. Mais quand on en touche 6, ça devient neuneux. Donc prix de la mort, c'est très intéressant sur... c'est très intéressant sur Izanami, c'est très intéressant sur Caribde, c'est un peu moins intéressant, mais ça peut le faire sur Rama. C'est à peu près les ADC niches qui peuvent le faire aujourd'hui. Le prix de la mort a pris des nerfs qui ont permis de le voir un petit peu moins. Au début de la saison 10, c'était quasiment omnipotent. Deuxième starter, c'est le starter flèche dorée. Le starter flèche dorée est incroyable. Enfin, il n'est pas incroyable. Et justement, il est en dessous des deux autres. Toutes les 10 secondes, les sbires de monstres qui a le plus de PV à moins de 80 unités de vous est marqué. Si vous l'éliminez, vous gagnez 32 mana, 4 or de plus que la normale, et votre vitesse d'attaque augmente de 25% pendant 8 secondes. Donc vous avez un stéroïde de vitesse d'attaque dans la flèche dorée, qui est indirect, mais c'est surtout pour la thune qu'on fait cet objet. C'est-à-dire que cet objet, il n'est pas si dégueulasse que ça, car l'upgrade est monstrueux. L'upgrade est monstrueux, mais c'est vraiment, il est bottom tier, c'est-à-dire que les gens qui jouent capuche sont actuellement les plus forts. Ensuite, on a prix de la mort qui est pas très loin en dessous si on a un ADC qui synergise avec. Donc, on l'a dit, Caribde, Izanami, voilà, Rama. Vite fait, Rama. Mais Caribde, Izanami, oui, bien sûr. Avec le 1 de Caribde et avec les autos d'Izanami, vous l'aurez compris. Mais par contre, si vous voulez vraiment un late game faramineux, mais vraiment monstrueux, il y a deux cas de figure. On peut jouer flèche et décoré, qui est extrêmement puissant puisque ça donne 10% de vitesse d'attaque, 15% de chance de coup critique et 66% de dégâts d'attaque de base. Mais surtout, tous vos gains d'or augmentent de 5% pour chaque tranche de 100 or que vous possédez. Vous obtenez une charge qui augmente votre vitesse d'attaque de 1,25% et vos chances de coup critique de 1%. Ce qui fait que cet objet vous donne 35% de chance de coup critique et encore plus de vitesse d'attaque. Donc par exemple, si je prends juste cet objet-là, je l'ai stacké 20 fois vu que je suis couvert d'or. Vous l'aurez compris, il faut avoir un certain nombre d'or. Donc ça rend le perso incroyable en late game. Vous voyez, juste avec cet objet, j'ai 2.21 de vitesse d'attaque. C'est assez incroyable quand même. 2.21 de vitesse d'attaque. Alors pas en permanence, hein, mais quand même, 2.21. Juste avec un objet.
Donc cet objet, les amis, vous le voyez de temps en temps par les joueurs pro ou les dans les games pro, donc les dans la tête d'un pro, pour la simple et bonne raison que c'est incroyable passer le moment où vous commencez à arriver à le stacker, cet objet. Il est incroyablement fort. Vous allez me dire, oui, mais Iker, en pro, ils peuvent pas se le permettre. C'est un peu vrai. Mais vous voyez la durée des moyennes de game des games pro, elles sont en moyenne de 30 minutes. La flèche dorée, la flèche décorée, elle commence à devenir très très forte à partir de 30-35 minutes. Parce qu'on va commencer à stacker de l'or, vous savez, pour acheter l'élixir à 3000. Alors limite, on peut se demander s'il faut mieux acheter l'élixir à 3000 ou garder les stacks de la flèche dorée. Je pense qu'il faut mieux acheter l'élixir à 3000 quand même. Mais vous voyez le délire, c'est vraiment pour ceux qui veulent avoir un late game. Quand t'as une flèche décorée et un condamnateur, bah t'as quasiment suffisamment de chances de coup critique. C'est-à-dire que tu fais flèche décorée plus ça, on est sur 65% de chances de coup critique. 65% de chances de coup critique. Et on rappelle que le coup critique dans la plupart des bobas est considéré comme étant suffisant autour des 65, 70, 75% de chances de coup critique. Que quand on va chercher les derniers pourcentages de coup critique, bah c'est plus si rentable que ça, puisque de toute façon on va déjà crit beaucoup. Vous voyez le délire ? Rappelons que le crit a été modifié dans Smite il y a environ un an et demi, et peu de gens s'en rappellent. C'est le fait que le crit, si je ne crit pas, si je ne crit pas sur ma première auto, ma deuxième auto aura plus de chances de coup critique. Si ma deuxième auto ne crit toujours pas, ma troisième auto aura encore plus de chances de coup critique. A l'inverse, si je crit, ma chance de coup critique retombe à la chance de coup critique qui est affichée dans le jeu. Ça, c'est une modification qui a plus d'un an et demi. Voilà, donc encore plus dans Smite, on n'a pas trop d'intérêt d'aller chercher 100% de chance de coup critique, mais un bon 70, 75, 65, c'est déjà pas mal. Donc vous comprenez l'intérêt de la flèche décorée. La flèche décorée va permettre à votre build, avec un objet de démarrage, d'avoir directement en late game un late game phénoménal où cet objet donne vitesse d'attaque, chance de coup critique très élevée, pas mal de dégâts. Bien évidemment, c'est pour ceux qui ont des games, dans quel style de gameplay vous faites, c'est ceux qui ont tendance à généralement gagner leur lane. Ils gagnent leur lane assez facilement et il n'y a pas de souci, vous êtes quasiment jamais en 0-2 au bout de 5 minutes ou en 0-3 au bout de 10 minutes. Vous n'êtes quasiment jamais, vous assurez toujours votre phase de lane et vos games sont extrêmement longues. Vous savez pas pourquoi, mais elles durent très très longtemps. Parce que si vous faites des moyennes de game de 25 minutes, vous comprenez bien que cette méta, cet objet, il pue la merde dans une méta où les games durent 25 minutes. Vous prenez un papier, un crayon, vous prenez la durée de vos moyennes, vous êtes un main ADC, vous voulez devenir ADC, vous êtes un main ADC, vous prenez un papier, un crayon et vous notez, vous allez regarder dans votre historique combien de temps durent en moyenne vos conquêtes. Si elles durent en moyenne plus de 30 minutes, je dirais même plus de 35 minutes, flèche décorée est un bon starter pour vous. Parce que vous allez réussir à le stacker, vous allez faire beaucoup plus mal. En gros, ça transforme vos personnages en un hyper kai. Si vos games sont courtes, elles durent en moyenne 28-27 minutes de moyenne, oubliez flèche décorée. Faites la capuche. Mais voilà, c'était important de l'énoncer et de l'expliquer, cet objet. Cet objet, il est pété à condition que vos games durent longtemps et que vous soyez en moyenne plutôt pas mal dans vos parties. On passe maintenant au dernier starter, qui est le starter capuche. Le starter capuche, bah, bien évidemment, c'est le plus efficient. Pourquoi ? Parce que lui, il vous donne du drain de vie. La flèche décorée ne vous donne pas de heal. Donc déjà, la flèche décorée, attention, c'est un early compliqué. C'est pour ça que je vous ai dit, prenez-le si vous êtes plutôt quelqu'un qui avait des early. C'est easy peasy. Vous êtes avec votre pote qui joue Yemoja. Bon, hein, tu peux jouer flèche décorée quand tu as une Yemoja avec toi. Ou un Kepri, c'est relativement fort. Ou un Maui, par exemple, c'est assez fort. Parce qu'ils vont te bien t'aider sur ta phase de lane. Si tu joues avec un Bacchus ou avec un Fafnir, vaut mieux jouer capuche. Hein. Et vaut mieux jouer Izanami de toute façon, donc prix de la mort. Non, je déconne, mais presque. Presque pas. Donc la capuche, c'est toujours le grade de la capuche de chasse qui est choisi. Parce qu'en fait, le stéroïde de vitesse d'attaque, lui aussi, est alors monstrueux sur votre personnage. La capuche de chasse, c'est 70 de puissance physique, 10% de drain de vie physique et 20% de vitesse d'attaque. Alors rappelons que depuis le patch 1.3, c'est vraiment 10% des dégâts qui sera transmis à Hachiman en heal. Peu importe le type de fight, c'est-à-dire si vous fightez sur votre lane, vous récupérez toujours 10% des dégâts que vous infligez. Si vous faites un fight, si les adversaires n'ont pas d'anti-heal, vous régénérez de 10% des dégâts infligés. Donc,
C'est pas dégueu. 20% de vitesse d'attaque. Et surtout, quand un dieu allié à moins de 55 unités vous procure un stéroïde de vitesse d'attaque de 20%. Donc en gros, l'objet, vous l'aurez compris, vous donne dans les teamfights de conquête, vous êtes généralement à côté d'un coéquipier. Et donc, vous avez toujours ce stéroïde de vitesse d'attaque d'actif. Ce qui fait que vous voyez, Hachiman, là, il est à 1,66 de vitesse d'attaque. Et si j'utilise la banderole et mon passif, et bah encore une nouvelle fois, parce que je touche personne là. Alors, je sais plus si je peux me maintenir dans le build et toujours réussir à auto-attaque. Je pense que oui. Voilà, 2,22, je pense. 2,22 les petits potes à la compote à peu près de vitesse d'attaque juste avec un objet. Donc pas si vraiment pas dégueulasse la capuche. Et ça, c'est pour ça que la capuche, la flèche décorée, oubliez-la sur Anur. Ou alors il va falloir que vous fassiez un build full vitesse d'attaque, puisque la flèche décorée, on l'a dit, finit par donner quand même pas mal de vitesse d'attaque une fois qu'elle est stackée, mais tout le moment où elle est pas stackée, elle va pas être ouf. Donc si vous jouez un ADC qui a pas de stéroïde de vitesse d'attaque, jouez plutôt capuche, parce que comme ça vous rattraperez, vous aurez quasiment en permanence. Là c'est juste qu'il n'y a pas de condition, enfin si, la condition c'est d'avoir un allié à côté de soi, mais c'est pas une condition difficile à avoir. Alors que la flèche décorée, c'est une condition qui est difficile, il faut avoir de la thune. Donc voilà pourquoi la capuche est actuellement le meilleur choix en ADC si on fait une moyenne, à part comme on a dit sur ADC sur Carib ou Izanami, où on peut voir encore l'intérêt de faire le prix de la mort. Parce que l'upgrade du prix de la mort est pas si ouf que ça comparé à la capuche en plus. Maintenant vous allez dire, mais c'est quoi le deuxième item? Le deuxième item, peu importe si vous faites flèche décorée, prix de la mort, capuche, les deux premiers items, enfin le choix des deux premiers items sont les suivants. Il faut aller chercher du vol de vie. Le vol de vie, c'est deux choix. Vous avez que deux choix à l'heure actuelle, puisque l'Asie est un peu obsolète. L'Asie, c'est obsolète pour le moment. Il faudra attendre un up pour revoir l'Asie. Vous avez le choix entre le gantelet du dévoreur et la forge de sang. Notez que depuis le patch 10.5, vous n'avez plus de vitesse d'attaque dans la forge de sang. Il n'y a jamais eu de vitesse d'attaque dans le gantelet du dévoreur. Vous avez donc le choix avec un objet qui vous donne drain de vie, puissance et prédétration flat, et à un objet qui vous donne puissance, drain de vie, vitesse de déplacement, un bouclier si vous faites un kill et encore de la vitesse de déplacement si vous faites un kill. Donc la forge de sang, elle est intéressante pour les joueurs qui ont tendance à prendre des kills. Donc qui sont des beaux gosses, qui sont des zap-zap, qui jouent PVP et qui prennent souvent des kills. Ceux qui sont plutôt derrière et qui ont tendance à prendre que des assists auront plus d'intérêt à jouer un gantelet du dévoreur. Maintenant, les deux sont à mon avis envisageables. La forge de sang est chère, mais par contre, elle donne beaucoup de puissance. Tout de suite maintenant, donc pas mal. Pour ceux qui veulent PVP. Ceux qui jouent Gantelet du Dévoreur, vous pourrez partir sur ça. Ceux qui sont un peu plus tranquilles. Est-ce que ça change quelque chose, la flèche décorée, le prix de la mort, de partir là-dessus? Non, les deux sont intéressants. Vous voyez que les deux donnent de toute façon 10% de drain de vie de base. Le gantelet, une fois stacké, en donne plus, bien sûr. Donc, bien évidemment, si vous jouez flèche décorée, le gantelet du dévoreur est plus intéressant. Parce que rappelez-vous, vous n'aurez pas, la flèche décorée ne vous donne pas de heal. Alors que le prix de la mort vous en donne et la capuche vous en donne 10%. Donc n'hésitez pas à partir, enfin 4%, 4% n'exagérons pas, c'est pas 10% dès le départ, 4% de drain de vie, donc vous pouvez avoir ici assez rapidement du drain de vie. Donc c'est à vous de voir si vous voulez avoir beaucoup de drain de vie en faisant gantelet du dévoreur ou forge de sang. Mais je pense que les deux sont envisageables. Le dévoreur d'âme, c'est plutôt en deuxième item sur un Marty Coras ou une Nice si on a envie de rigoler, voilà. Donc moi je vais partir sur un build, forge de sang, allez. Une fois qu'on a fait cet objet-là, c'est là que le troisième objet en ADC varie beaucoup. Le choix à l'heure actuelle des professionnels est de partir sur exécuteur. L'exécuteur va donner 20% de drain de vie parce que là, vous vous rendez bien compte qu'on n'a pas beaucoup de drain de vie normalement. De vitesse d'attaque, pardon. Excusez-moi. À ce moment-là de la partie, on n'a pas beaucoup de vitesse d'attaque. Puisque vous avez juste la vitesse d'attaque ici qui est de 10%, la forge de sang n'en donne plus, le gantelet du dévoreur n'en donne pas. Donc la vitesse d'attaque peut être intéressante d'aller chercher. On a également besoin de pénétration, puisqu'on a juste de la pénétration flat si on fait le gantelet du dévoreur. Si on a la forge de sang, on n'a pas de pénétration du tout. Donc c'est pour ça que les pros se tournent vers l'exécuteur ici, s'ils ont envie. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez également partir sur du crit tout de suite. Donc le crit le plus rentable sur les ADC à stéroïdes de vitesse d'attaque, pour les joueurs PVP,
Donc ça fait deux conditions. Vous êtes un joueur PVP qui prenait souvent des kills et des assists, qui bougeait beaucoup, qui essayait d'avoir de l'impact dans votre équipe. Vous pouvez partir sur Rage. Si vous avez juste envie d'être puissant, mais sans trop rien foutre, vous faites plutôt la lame démoniaque. Parce que la lame démoniaque va vous donner 20% de chance de coup critique, 15% de vitesse d'attaque, de la puissance. Et chaque coup critique augmente votre pénétration de 8%. Donc vous aurez quand même un petit peu de pénétration ici. Donc vous voyez, plusieurs possibilités. La lame démoniaque, l'exécutionneur. C'est à partir du troisième item que vous devez choisir. Mais vous devez déjà choisir quasiment dans le lobby, au moment où la game charge, si vous allez faire un ADC à crit ou un ADC sans crit. Ça, c'est à vous de voir à ce moment-là. Est-ce que le crit, c'est fort quand on tape des personnages qui sont plutôt fragiles et qu'on a toujours l'opportunité de taper des personnages fragiles. Vous prenez une game où vous jouez contre une Bellona solo, pardon, et vous jouez contre un Bacchus support, et vous savez que Bellona a la tendance en late game à toujours vous Eagle Rally parce qu'on est à niveau, qu'on commence à être à level plat diamant et voilà, la Bellona fait son travail, elle saute sur l'ADC vu qu'elle peut le stun, elle peut le disarm avec son 3, elle aura tendance à vous camper le cul. Bah, dans ces cas-là, le crit n'est pas forcément très intéressant parce que vous savez que Bellona va vous sauter dessus. Vous jouez contre un Bacchus aussi, donc il va vous sauter dessus aussi. Donc peut-être que c'est plus judicieux de ne pas partir sur du crit. Donc là, on partira sur un build non crit. On verra tout à l'heure le build non crit. Donc ici, vous voyez plusieurs choix. Soit vous faites le rage, soit vous faites la lame démoniaque. C'est à vous de voir. Bien évidemment, sur un Hachiman, on va faire un build avec rage, puisqu'on a envie de PVP, on a envie de jouer agressif. Et on l'a dit, l'avantage d'Hachiman, c'est qu'il a beaucoup de stéroïdes de vitesse d'attaque. Donc partir sur moins de vitesse d'attaque en faisant le rage maintenant ne sera pas grave sur le personnage en late. Une fois qu'on a fait le rage, on va faire l'exécuteur. De toute façon, l'exécuteur, il faut le faire. Dans la méta, il est trop fort. Une fois qu'on a fait l'exécuteur, on va faire le condamnateur parce que il existe un build simple crit. On l'a vu à niveau pro, le simple crit, mais c'est vraiment pas un build qui est fait pour nous. Je considère joueur lambda. Le simple crit n'est pas assez rentable, je trouve. Donc, je vais toujours vous conseiller du double crit. Que ce soit Rash condamnateur, que ce soit lame démoniaque condamnateur, que ce soit le machin aiguisé, je sais plus comment ça s'appelle, celui-là. Le boomerang aiguisé et le condamnateur, ou alors flèche décorée et condamnateur. Il y en a qui se rappellent. Oui, le starter, vous pouvez faire entre guillemets que du simple crit parce que ça va être votre objet de démarrage et un autre objet. Donc on va partir sur condamnateur empoisonné par exemple et on va finir par une domination. Donc ça, ce build, il fonctionne très très bien et vous allez voir, avec Hachiman, nous allons atteindre une vitesse d'attaque correcte, mais vous voyez, pas non plus incroyable. C'est-à-dire que là, on a bel et bien besoin de notre purple buff parce que comme on l'a dit, quand on fait rage condamnateur, eh ben on a quand même deux items qui donnent pas beaucoup de vitesse d'attaque. Donc on est bien content de prendre notre purple qui nous permet, vous voyez ici, d'atteindre 2,31 de vitesse d'attaque. Donc hop, il faut que je change l'équipe, excusez-moi. C'était juste pour vous montrer. Ah mais là, on n'aura plus le stéroïde de la capuche. Donc on va rechanger encore un petit peu. Voilà. Et il faut aller retaper là-bas. Donc là, vous voyez, à côté de quelqu'un, j'ai 2.11 avec mon purple buff. Et là, j'ai 2.31. Bon, là, on aura quasiment les 2.5 assez facilement. Si j'étais dans la banderole, j'aurais mon 2.5. Enfin, là, même, j'ai même eu réussi à atteindre mon 2.5. Donc, vous voyez qu'on a suffisamment de vie. C'est-à-dire que là, le build rage condamnateur, vous voyez, il n'a pas de défaut sur Hachiman. On est quand même sur un 2.11 sans rien foutre, juste en ayant quelqu'un à côté de nous. Donc là, on est vraiment sur un très bon build. Vous prenez le même build sur Anur, bah carton jaune. Carton jaune direct, vous ne serez pas à 2.11. Vous ne serez pas à 2.11, vous serez à moins, sans doute, vous serez à 2, je pense. Et vous serez peut-être à 2.11 aussi. Peut-être à 2.8 ou 2.11. Même si vous êtes à 2.11, de toute façon, vous n'avez aucun stéroïde de vitesse d'attaque sur Anur. Donc ça va poser problème. C'est là qu'on voit que sur un Anur, bah par exemple sur un Anur, on aimerait bien le petit proc de la lame démoniaque. Parce que le petit proc de la lame démoniaque, c'est 15% de vitesse d'attaque plus 10% de votre vitesse d'attaque pendant 4 secondes si vous faites un crit. Donc vous voyez qu'avec un Anur, on va forcément avoir le crit
avoir le 2.4 ou le 2.3 beaucoup plus facilement stacké. Vous voyez qu'avec Achiman, ça fait de l'over react. Là, je suis déjà à 2.5. Ça sert à rien, j'ai pas de silver argent. Vous voyez que un build Rash Condamner marche plus sur une Izanami, Artemis, Charybde, Rama, Achiman que sur un Anur qui a pas de stéroïde de vitesse d'attaque du tout. Déjà là vous comprenez un peu pourquoi il existe des variations de build selon le dieu que vous jouez. C'est tout simplement pour ce stack de 2.5. Vu qu'on fait plus le silver argent, ça sert à rien de l'overcap maintenant. C'est de la perte de stats. Donc voilà pourquoi je trouve que petit Rash Condamnateur est très bon sur Achiman. Et pour ceux qui ont moins de vitesse d'attaque, bah vous faites vos builds, vous dites « Ah Iker, j'aimerais bien un build sur mon ADC bah ». C'est simple, vous allez en entraînement de la jungle, vous prenez mes builds et vous regardez « Ah oui, sur mon petit perso, ça fait ça, tac, 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 j'ai mon 2.5, paf, c'est bon, je l'overcap pas, c'est nickel, j'ai mes grosses chances de coup critique, etc. » Parce que là, un Achiman comme ça, il envoie du bois. Hein. Là, il envoie du bois. Alors, il envoie du bois sur quoi? Il envoie du bois principalement sur les personnages fragiles, puisque vous avez une pénétration qui est assez bonne, et vous avez surtout une bonne chance de coup critique. Vous n'avez pas 100%, mais vous avez... il faut que j'aille chercher item stack. Mais vous avez une chance de coup critique qui est quand même assez élevée, qui fait que vous allez casser des culs typiques aux personnages qui n'ont pas beaucoup de résistance physique. Donc, les caries, là, on les détruit. Hein. Là, on les détruit complètement. On leur fait vraiment très très mal. Les personnages, voilà, on va prendre des personnages qui auraient à peu près une résistance normale, hein, c'est-à-dire une résistance d'environ 100. C'est la résistance à peu près normale en late game quand t'es à côté d'un gardien. Hein. Donc là, vous voyez qu'on fait quand même très très bobo et qu'on a un gros stéroïde de vitesse d'attaque. Voilà, bien sûr, évidemment, ma capuche ne proc plus. Hein, ma capuche n'est plus. Là, j'ai la vitesse de déplacement, je n'ai plus la vitesse d'attaque, vous l'aurez compris, car je n'ai pas d'allié à côté de moi. C'est pour ça que d'un seul coup, j'auto-attaque moins vite. Hein. Et si je prends quelqu'un qui a 300 de résistance, donc on va dire un tank en late, hein, bah on lui fait quand même assez mal. Hein. Les crits sont à 300, donc moi je trouve ça pas si dégueulasse que ça, vous voyez. Donc on a une petite pénétration, on pourrait bien évidemment faire mieux. Donc là, vous voyez, c'est le premier build, Rash Condamnateur, etc., etc. Maintenant, vous allez me dire, mais Iker, donc tu pourrais faire un autre type de build crit pour le build ultra late que tu nous as parlé tout à l'heure avec la flèche décorée. Donc ça donnerait quoi? Bah on va chercher la flèche décorée. On prend la flèche décorée, on n'a plus besoin du rage. Donc on fait exécuteur, deuxième objet. Et là, on pourrait faire tout simplement... un Seize de Kin. Voilà. Pour avoir une sorte d'hybride crit anti-tank. Puisqu'on rappelle que le Seize de Kin, c'est un objet qui est anti-tank. Voilà, donc ça vous permet d'avoir des dégâts en plus. Alors, on ne le voit pas forcément aux chiffres. Mais vous voyez qu'on a le petit 32 de dégâts sur le Odin. Et en gros, ça rajoute bien sûr des dégâts. Donc là, vous voyez que les chances de coup critique sont quand même relativement bonnes. Mais on a pu faire le petit Seize de Kin des familles. Donc, on a le Seize de Kin qui proc en plus et qui fait quelques petits dégâts. Donc, très très bon aussi. Puis, on a aussi plus notre purple. J'avais oublié qu'on avait plus notre purple. Qui reste quand même important à aller chercher, hein, faut jamais le négliger. Ça rajoute de la vitesse d'attaque et ça rajoute des dégâts d'attaque de base. Donc c'est vraiment pas mauvais. Donc là vous voyez on a un build avec Seize de Kin, donc un peu anti-tank, avec quand même la dimension d'avoir des chances de coup critique. Par contre c'est un build extrêmement tourné vers le late game, on le rappellera jamais assez. Voili voilou. Donc ça c'était le build crit. Maintenant vous allez me dire ça ressemble à quoi un build sans crit? Donc un build anti-tank quand tu as une Bellona sur la gueule à longueur de journée, un Bacchus sur la gueule à longueur de journée qui te saute dessus et t'as jamais le temps de toute façon où il faut que tu arrives à les tuer parce que t'arrives. Ça sert à rien d'avoir un build crit puisque de toute façon tu n'arrives. Enfin, ça fait quand même quelques dégâts, on l'a vu, mais bon, ils auront sans doute une spectrale, donc les crits seront réduits de 30%, rappelez-vous. Donc voilà. Donc vous préférez faire un build sans crit parce que vous aurez tout le temps quelqu'un sur votre cul. Et ben vous allez faire plutôt ce build là. Vous faites bien évidemment la domination, je la présente, je la fais vraiment dans l'ordre. Hein. Là c'est vraiment le build dans l'ordre, donc capuche, forge de sang, exécuteur, Seize de Kin, domination. Et dernier item, vous faites un fléau de titan. Ça c'est le build sans crit, avec énormément de pénétration. Vous prenez bien évidemment la glyphéros sur l'exécutionneur. Et ça c'est quoi comme build? Bah c'est un build anti-tank. Vous voyez que vos chiffres sont moins élevés.
mais ils sont quand même là, hein, les chiffres avec le 6 de King qui proc. On voit le petit 42, donc vous voyez qu'on fait à peu près 260 de dégâts. On avait dit qu'on faisait quoi sur Bellona? 330, 308, je sais plus, 330 ou 308 de dégâts. Rappelez-vous, mais elle aura une spectrale, donc 30% de dégâts en moins. Vous voyez que c'est quand même assez proche. Hein. Ceux qui pensent que le crit c'est fort tout le temps, non, le crit c'est fort, mais le non-crit, ce build-là est très fort contre les tanks. En fait, hein, voilà. Donc c'est un très bon build anti-tank, ce build-là. Et voilà, voilà. Donc pourquoi on va jouer ce build-là contre les tanks? On rappelle, petit rappel de la pénétration. L'exécuteur féroce, ce n'est pas de la pénétration, c'est du retrait de prod de l'adversaire qui va perdre donc... qui va donc perdre 6% de sa résistance physique, cumulable 4 fois. Donc ça fait 6 fois 4, 24. 24% de 300 d'armure en moins, ça fait donc 24 fois 3. 24 fois 3, ça fait 72. Donc le personnage n'a pas, au bout de 4 autos, 300 de défense, mais 228. 228. Donc à ce chiffre, on doit également retirer la pénétration. La pénétration qu'on a ici. Donc ici nous avons 16% sur les auto-attaques, mais pas sur les spells, attention. Et ici nous avons 16% sur les autos et sur les spells, mais 32% sur un spell toutes les 6 secondes. Ça se cumule. La domination permet d'overcap la pénétration en pourcentage. Donc on a 1 sur 1 spell sur 10, sur un spell sur toutes les 6 secondes, on a 32% de pénétration. Et sur les autos, on a 32% de pénétration. Donc on rappelle qu'il avait 228 de résistance. 228, on a 32% de pénétration sur les auto-attaques. Donc on va lui retirer 32% de 228. Donc 32% de 228, ça fait de nouveau un peu un truc comme... ça enlève au minimum 66-68 de pénétration. Donc il va descendre à un truc comme 150 de résistance. 150 de résistance, c'est tout pour mon build ici. Si j'ai fait le gantelet du dévoreur, j'ai encore de la pénétration flat à enlever. Et c'est à ce moment-là que j'enlève. Et donc vous voyez qu'on va la Bellona qui avait 300 de résistance physique et avec une armure spectrale, et sans armure spectrale, on s'en fout. On lui enlève à peu près la moitié de ses résistances, un petit peu plus, voilà. Donc c'est pour ça que si vous avez une Némésis dans l'équipe, elle ulti la Bellona, ça retire encore des protes et elle implose complètement. Parce qu'elle est tombée à genre 120 de protes, ce qui équivaut à peu près à la prot qu'a l'ADC lui-même à côté de son gardien. Quoi. Donc voilà, voilou. Donc c'est comme ça que se calcule la pénétration et vous voyez qu'on a un build qui est assez fort. Puisqu'en fait le 6 de Kin, on le rappelle, c'est vos attaques de base infligent des dégâts physiques équivalents à 3% de la santé maximale de la cible ou davantage si elle a plus de 2000 PV pour un maximum de 6% à 2750. Je rappelle que ce chiffre est dépendant de votre pénétration. Vous ne retirez pas 6% à une Bellona qui a 300 d'armure si vous avez 0 pénétration, vous retirerez peut-être 2% ou 3% à peine. Donc c'est pour ça qu'on va chercher cette full pénétration pour être capable de full faire marcher le 6 de Kin. Donc voilà un build. Il existe une alternative qui est un peu connue, qui peut être l'arc d'Ulysse, mais qui est un peu nul à chier sur Hachiman. Pourquoi? Parce que nous avons déjà suffisamment de vitesse d'attaque. Et vous voyez que là, nous allons overcap hyper facilement le truc. Et le proc de l'Ulysse... et pas si fort que ça, voilà. Vous pouvez le faire si vous avez envie, si vous avez envie de tester l'arc d'Ulysse, bon bah pourquoi pas. Mais vous voyez que là on a overcap malheureusement de 2.5 la vitesse d'attaque, donc je préfère le fléau titan. A l'inverse, sur un Anur, je préférerais l'arc d'Ulysse par exemple, vous voyez, sur un build comme ça. Parce que là, Anur, avec un arc d'Ulysse, il a quasiment la vitesse d'attaque, et je pense qu'il a quasiment les 2.5 avec un build comme ça, Anur. Il tient bon quoi. Mais là vous voyez qu'on n'a même pas le stéroïde de la capuche, donc on aurait vraiment overcap, on n'a pas le purple, on aurait vraiment overcap énormément la vitesse d'attaque d'Hachiman grâce à son double stéroïde de vitesse d'attaque maintenant sur sa banderole et sur son passif. Donc voilà, ça c'est un build sans critique. Qui fonctionne bien à jouer quand vous jouez un ADC et que vous avez tout le temps sur votre cul des guerriers. Ça fonctionne très très bien aussi en arène, sachez-le, un build pareil. Vous êtes face à un Cthulhu qui fait le malin ou un Odin qui vous saute dessus en permanence, je peux vous assurer que c'est le genre de build qui leur font très très mal.
ne négligez pas, testez-les, vous verrez, c'est très fort contre les guerriers. Et c'est pas si non plus, les gens vont dire, bah, mais c'est nul à chier contre Nice, voilà, contre un carry, je vais me faire défoncer. Alors s'il a du crit et que t'as pas de crit, c'est vrai que t'es un peu dans la merde, mais tu peux jouer sur la distance, vous voyez qu'on le tue quand même assez vite Nice. Les gens qui n'ont pas de pénétration, qui n'ont pas de résistance, prennent quand même assez cher. Voilà, mais c'est sûr, vous faites pas de crit à 700, vous faites du 400 sur eux, 450, mais c'est déjà pas mal quoi. Oui, oui. Une fois qu'on a vu ça, on va voir la petite alternative qui existe, qui est une alternative intéressante et qui sera peut-être fait d'ailleurs sur certains joueurs. Certains joueurs s'amusent à ne pas commencer capuche, mais à la faire plus tard la capuche. Donc par exemple, ils vont commencer avec cet objet-là. Et justement, c'est important d'en parler puisque Hachiman est un personnage qui synergise plutôt bien avec cet objet. C'est la boucle d'oreille du griffon. La boucle d'oreille du griffon vous permet d'avoir 55 de puissance physique, 30% de vitesse d'attaque. Donc c'est deux stats qui sont pas mal, mais c'est tout ce que ça donne. Hein. Ça donne pas de pénétration, ça donne pas de drain de vie, etc., etc. Mais derrière, la vitesse d'attaque de votre projectile d'attaque de base augmente de 40%. Alors c'est pas la vitesse d'attaque qui est augmentée, c'est la vitesse du projectile. C'est-à-dire que Hachiman, là vous voyez ma flèche, elle est plus facile à positionner sur un joueur. Parce que on n'a pas du hitscan hein, dans Smite, c'est un travel time d'un projectile, il faut réussir à le toucher. Donc vous voyez là où je veux en venir, c'est que très clairement, on peut faire un build avec, avec Hachiman où on va faire ça. Où on va partir sur un build où on fera l'objet de démarrage un petit peu plus tard. Donc vous le faites quand vous serez à peu près level 20 et vous faites un build tout simplement de ce style là par exemple avec donc cet objet, parce que là vous allez rater beaucoup moins d'auto-attaque puisqu'en fait là c'est quasiment impossible de les rater tellement l'auto-attaque est rapide. Donc vous allez quand même vous nerfer parce qu'on l'a dit, l'objet il est utilitaire un petit peu sur l'attaque de base. Et il est fait de temps en temps par certains professionnels. Je trouve que c'est pas mal sur Ishtar et Hachiman, puisque Ishtar et Hachiman ont un point commun, c'est ça. Et ça, placer ce genre de sort à longue distance, bah bien évidemment, quand votre auto-attaque elle n'est pas améliorée, c'est pas si simple que ça. Mais vous voyez que là, c'est un peu neuneux, ça devient complètement con. Je peux très facilement toucher à beaucoup plus que 55 de ma portée d'auto-attaque, puisque je vous rappelle que ce sort fait que vos autos, elles ont plus de portée. Alors je sais plus combien c'est indiqué, mais je crois qu'elles ont 70 de portée, mes auto-attaques. Parce que là, vous voyez, à même plus, on voit que là, mon ISG 70, ça va être quasiment 80 de portée. Avec la Nice, pour me toucher, elle doit venir là, quoi. Voilà. Donc, je devais le mentionner parce que c'est un build un petit peu conventionnel. Alors vous me direz, oui, mais Iker, ce build, il est sympa, mais est-ce qu'il fonctionne avec du crit ? Bah, bien sûr que oui, il fonctionne avec du crit. Ça pourrait d'ailleurs être une alternative intéressante d'un build flèche décorée où on va juste jouer flèche décorée en late game. Voilà. Mais bon, c'est un peu dommage, vous aurez perdu l'income de l'objet de démarrage. Mais vous allez juste jouer avec le late game, avec la flèche décorée. Tac. D'ailleurs, ça pourrait être une alternative intéressante dans le sens où si tu sais pas si tu veux jouer flèche décorée ou capuche, bah tu joues cet objet-là en départ. Ensuite, tu pars sur ta force de sang ou tout gantelet du dévoreur. Après, exécuteur. Après, seize de qui. Enfin, tu fais tes trois premiers items qui vont être le griffon, la forge, l'exécuteur. Et à partir de là, tu choisis si tu décides de partir sur du double crit, flèche décorée, condamnateur. Ou tu pars sur ta capuche finalement. Et parce que tu sais que t'es déjà arrivé à ce moment-là de la game. Et que voilà, voilà, voilà. Ça pourrait être une alternative intéressante pour ceux qui veulent, qui aiment bien cet objet. Donc, faut bien aimer cet objet. Moi je l'aime pas trop à la base parce que je trouve que tu perds un peu des stats. Attention, vous serez moins puissant, un petit peu moins puissant qu'un build normal, puisque vous avez un objet qui est qui vous donne de la puissance, de la vitesse d'attaque, ok, mais qui vous donne pas de pénétration, pas de chance de coup critique, etc. Mais qui rend vos auto-attaques beaucoup plus faciles à toucher. Donc si vous êtes un Stremon de l'AIM, voilà, vous êtes trompé de jeu, vous jouez à Smite mais vous avez le shot d'un joueur pro CSGO. Et bah peut-être que c'est pas un objet pour vous. Mais si vous avez du mal à placer vos auto-attaques avec Hachiman de loin par exemple, ou avec Ishtar avec son 1-3 qui elle aussi augmente la range, on le rappelle, et bah vous pouvez faire cet objet. Ça synergise pas trop avec les autres ADC, mais certains le font hein. Ça, voilà, c'était histoire de mentionner tous les builds, toutes les possibilités. Bien sûr, pour ceux qui se demandent et qui sont vraiment des débutants, les reliques d'un ADC sont toujours dans 99,9% des cas purification en premier. Et ensuite, on a le choix avec Égide ou Coquille.
Voilà, si vous êtes face à énormément de boucliers face à vous et que ce sont des personnages qui vous font pas du burst mais qui tapent avec des auto-attaques, la coquille est très bien. Puisque la différence entre la coquille et l'égide, c'est que pendant la coquille, vous avez un bouclier mais vous pouvez toujours auto-attaque. Alors que pendant l'égide, vous ne pouvez juste rien faire, vous juste vous évitez une partie des dégâts. Donc si vous êtes face à un Kraken, il vaut mieux l'égide que le coquille. Mais si vous êtes face à un autre ADC, il vaut mieux parfois coquille et le frapper que juste égide. Donc sachez qu'il y a ces deux alternatives qui existent. Vous faites la coquille ou vous faites, par exemple, si vous êtes face à un compo, vous êtes face à Toriyemoja. Il y a eu ce match-là ce week-end. Vous êtes face à Toriyemoja. Et même dans le casting que j'ai fait de Pro League hier, il y avait ce cas-là où l'ADC est parti sur coquille fantomatique et temporal beads sur son ADC. Voili voilou, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce que je voulais dire. J'ai fait une vidéo de 10 minutes de plus, mais j'espère qu'elle sera plus cool que ma vidéo d'hier de 31 minutes où je me suis fail, où j'ai oublié d'allumer mon micro. C'était vraiment pour parler des builds ADC, j'espère que c'était compréhensible. Il y a pas mal d'alternatives, j'ai essayé d'expliquer le pourquoi du comment on prend cet objet et pas un autre. Voili voilou, j'espère que ça a été clair. Les builds ne changeront pas, hein. Sachez que « Ah, Iker, tu fais ce build sur le patch 10.5, mais il y a des modifications. » Bah non, il y a juste la forge de sang qui est revenue à peu près pareil. Donc ça va être gantelet, forge de sang. Les deux sont envisageables. Je rappelle que dans les deux cas, vous pouvez soit faire forge de sang, soit faire gantelet du dévoreur. C'est selon la préférence du joueur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bourrez les pouces vers le haut. N'hésitez pas à la filer à tous vos potes qui veulent jouer à DC, qui n'y comprennent généralement rien à l'itemisation et pourquoi on fait crit, pourquoi machin, c'est selon les situations. Il faut savoir s'adapter avec un build ADC. Il y a le classique quand même de prendre son build classique. Le build classique, c'est le build capuche, forge de champ, exécuteur, lame démoniaque, domination, condamnateur par exemple. Ça, c'est très très bien comme build. Ça marche dans beaucoup de cas, mais si vous voulez être un petit peu plus polyvalent, bah faut connaître tous les builds pour pouvoir vous adapter selon les situations. Est-ce que vous avez tendance à gagner votre early? Est-ce que là, vous allez gagner votre early, etc., etc. Faut savoir choisir de se nerfer un peu l'early. Par exemple, la flèche dorée, transformée en flèche décorée, c'est pour nerfer votre early. Car on a utilisé cette image dans les dernières vidéos. C'était, vous savez, la courbe de puissance d'un personnage. On peut schématiser d'une courbe de puissance d'une Nice qui commencerait haut et qui s'écraserait assez vite, alors qu'une Artemis serait beaucoup plus bas que Nice au départ, mais monterait beaucoup plus haut que Nice en late. Et bien maintenant, vous imaginez, selon votre itemisation, ça change la courbe. Bien sûr, un build où vous allez chercher, c'était le classique joueur qui faisait directement gantelet du dévoreur contre quelqu'un qui faisait directement transcendance, et bah transcendance allait plus haut une fois stacké et une fois fini la Z en deuxième item, mais le power spike en early de la personne qui rushait un gantelet du dévoreur était meilleur, car le gantelet du dévoreur donne de la pénétration, de la puissance et du drain de vie. Alors quand tu rushes une transcendance, tu n'as absolument pas besoin, tu n'as pas de drain de vie. Donc dans un combat d'équipe, dans un combat 1 contre 1 de 2 ADC, le joueur qui a le gantelet du dévoreur, si ce sont des trades longs, c'est des combats longs qui vont durer sur plusieurs lanes, etc., etc., bah celui qui a le gantelet du dévoreur peut se sustain plus que celui qui a transcendance. Mais dans une question de burst, la transcendance peut battre peut-être le gantelet du dévoreur si c'est dans une action très très courte, puisque ça donne plus de puissance rapidement. Voilà. Voilà comment on peut essayer de comprendre le jeu. Bien sûr, c'est selon aussi le pick qu'on joue. Est-ce que votre pick est plus fort ou pas que votre adversaire en early? Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. C'est du boulot de faire tout ça. Donc n'hésitez pas à soutenir cette petite chaîne YouTube. Allez, des bisous, ciao et à demain pour une nouvelle vidéo de Smite. Ça sera sans doute un nouveau Game Pro. Ciao.